avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24. Tu ne peux pas pratiquer une agriculture moderne sans irrigation. Beaucoup d'efforts ont été mis à la région de l'Est parce que c'est elle qui est plus frappée par la carence d'eau en termes de pluviométrie. Ici, la terre est très fertile, mais le ciel n'est pas du tout clément. Heureusement que nous avons eu la chance d'avoir l'eau du lac Nacho pour pouvoir pratiquer l'irrigation. Ici, sur ce site, je fais des recherches sur un nouveau système d'irrigation qui économise de l'eau, surtout dans une région très ensoleillée comme la nôtre. Anicette Naïturichi est un jeune ingénieur agronome. Il fait des recherches sur les systèmes d'irrigation, notamment l'irrigation goutte à goutte. En tant que nouvelle technique d'irrigation au Rwanda, c'était le sujet de sa dissertation de fin d'études universitaire en 2020. Comme son nom l'indique, le système d'irrigation goutte à goutte permet d'irriguer chaque plante à l'aide d'un petit trou qu'on fait sur ce petit tuyau. Son avantage est que la quantité d'eau dont on arrose chaque plante est mesurée et cela permet de ne pas gaspiller de l'eau en temps de sécheresse par exemple. Ce système n'est pas seulement utilisé pour l'irrigation, mais aussi pour les engrais. Après la fin de ses études universitaires, les autorités ont décidé de laisser Anicette continuer ses recherches. À la fin de mes études, j'étais tellement passionné par l'agriculture et surtout les systèmes d'irrigation que mes professeurs m'ont dit de rester pour aider d'autres étudiants, comme je maîtrisais presque tous ces systèmes. L'université m'a également offert un terrain de 2,5 hectares pour appliquer les résultats de mes recherches et montrer aux agriculteurs comment faire de l'irrigation de goutte à goutte sur une grande étendue. En 2010, le gouvernement rwandais a sorti son premier plan directeur d'irrigation qui a été renouvelé en 2020. Selon le document, le pays des mille collines devrait irriguer plus de 102 000 hectares d'ici 2024 par rapport à 67 000 hectares de terres irriguées actuellement. Le programme a en quelque sorte trois volets. Il y a le volet aménagement des marais, il y a le volet aménagement sur les collines et il y a le volet dont je vous parlais tout à l'heure, le volet d'aménagement sur les petits terrains, l'irrigation sur les petits terrains, ce qu'on appelle small scale irrigation en anglais. Pour l'irrigation à petite échelle, le gouvernement prend en charge 50% des frais et l'agriculteur se charge de l'autre moitié. C'est le cas des membres de la coopérative des agriculteurs des légumineuses de Nacho, située dans le district de Kirehe à l'est du Rwanda. C'est une région très ensoleillée et donc on ne peut pas cultiver les légumes, par exemple, sans vraiment faire d'irrigation. Pour des agriculteurs traditionnels, oui. Mais pour nous, c'est impossible. L'irrigation nous permet de cultiver à tout moment de l'année. Cela fait plus de 10 ans que Emmanuel Sibomana alterne la culture des légumes et des fruits sur 25 hectares. À l'aide d'un moteur, il utilise l'eau de la rivière pour irriguer ses champs. À quelques kilomètres de là, Alphonse Habumudisha lui pratique la culture des fruits sur plus de 10 hectares. Sans la possibilité d'irrigation, il ne se serait pas aventuré dans la pratique de l'agriculture comme il le dit. Chaque membre de notre coopérative a reçu du gouvernement 9 tuyaux pour l'irrigation.
Pour le reste, on s'arrange entre nous. Si l'un d'entre nous veut irriguer sur une distance de 200 mètres par exemple, on se prête les tuyaux pour irriguer en série et ainsi de suite. Notre coopérative compte 117 membres, dont 27 femmes. Avant la pandémie de Covid-19 qui nous a fortement touchés, nous avions un grand projet d'irrigation à grande échelle à l'aide des pompes solaires. Nos activités fleurissaient tellement que nous avions dépassé le stade d'irrigation à petite échelle. Nous comptons reprendre le dossier avec nos partenaires et espérons que cela aboutisse avec l'aide du gouvernement. Dans la même région d'Onacho, un grand projet d'irrigation à grande échelle a vu le jour en 2020. Pour 54 millions de dollars américains, la structure composée de 63 systèmes d'irrigation à pivot central aide plus de 2000 petits agriculteurs sur une superficie de près de 1200 hectares. La pluviométrie dans la province de l'Est du Rwanda est plus... n'est pas régulière et puis on observe une faible pluviométrie annuelle ou par saison le long de l'année en comparaison avec d'autres provinces. Mais la région de l'Est a une bonne quantité d'eau qui coule, l'eau qui ruisselle des rivières, l'eau des rivières. Alors, le gouvernement rwandais a tiré avantage de cette eau qui ruisselle pour parier à ces aléas climatiques, comme je disais. L'un des plus grands défis auxquels se heurte le programme d'irrigation au Rwanda, c'est une superficie du pays qui est très accidentée. En ce qui concerne le changement des mentalités, le gouvernement encourage et forme les jeunes comme Anicetti Naituriti sur les bonnes pratiques agricoles afin de moderniser l'agriculture et améliorer la production. C'est vraiment possible d'être jeune et agriculteur à succès, mais il faut commencer par la base. Il faut aimer apprendre. Par exemple, quand j'ai commencé à m'y intéresser à l'université, c'était dur. Car tout était de la théorie. C'est avec la deuxième année que j'ai commencé à réellement adorer, car je pouvais pratiquer toutes les théories. Maintenant, j'aide les agriculteurs et investisseurs avec les données de mes recherches, et je ne le fais pas gratuitement, je suis payé pour ça. Au Rwanda, le secteur agricole contribue à plus de 35% du produit intérieur brut et emploie plus de 85% de la population. Le pays compte plus de 150 projets d'irrigation et devrait irriguer 220 000 hectares d'ici 2050, soit 50% de son potentiel. Selon les autorités rwandaises, l'irrigation a déjà triplé la production agricole du pays depuis son adoption sous plusieurs formes. Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24.